Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Thimvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complet scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Nous sommes au Bénin et il faut que nous ayons le courage de le dire. En 2016, nous avons eu la chance de choisir la bonne personne. C'est ce qu'a affirmé David Camille Biokou, député de la 8e législature, lors de son intervention sur l'émission Le Grand Politique, diffusée sur la chaîne en ligne MC Afrique. Selon l'homme politique, le Bénin a réalisé des avancées remarquables dans tous les secteurs de développement, un progrès rendu possible grâce à la fermeture des failles qui existaient auparavant dans le pays. En 8 ans, notre pays est passé de 0 à 12, 15. Les Béninois ne se rendent pas compte de ce que ce gouvernement, ce régime a apporté au niveau de la sécurité au Bénin. À un moment donné, notre pays était plongé dans une insécurité totale. Nous nous réveillions chaque jour avec des braquages en plein jour où l'on se faisait menacer pour choisir entre manches courtes ou manches longues. Aujourd'hui, c'est une avancée majeure en matière de sécurité et cela est à mettre à l'actif de ce gouvernement, a révélé l'ancien député. Il a également évoqué les réformes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du social qui ont connu une amélioration notable depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. En raison de ces réalisations, l'acteur politique estime que le peuple béninois devrait permettre au chef de l'État de continuer au-delà de 2026. Si nous étions objectifs, si nous reconnaissions ce qu'il fait pour nous, nous ne le laisserions pas partir en 2026. Son départ serait un gâchis, une perte pour nous, a souligné David Camille Biokou. Face aux plaintes liées à certaines difficultés, il invite le peuple béninois à faire preuve de patience pour attendre les résultats au fil des années. Dans tous les pays, les réformes sont toujours difficiles et souvent controversées. Nous avions des habitudes qui n'étaient pas favorables au développement du Bénin. Nous devons saluer cet homme pour ce qu'il a fait pour le peuple béninois, a-t-il conclu, saluant ainsi l'engagement du chef du gouvernement pour le développement du Bénin.